D'accord ? Rayez-le. Ou 22. 22. Hein. Nous sommes au numéro 22. Mettez-vous un peu en travers, là. C'est des noms difficiles pour les commentateurs. Je ne sais pas comment vous débrouillez, mais alors là... On va marcher, vous le verrez après. Oui, oui, bah. Allez, on va marcher, donc, marcher. En ligne droite, tu vas trop vite pour marcher. Tu vas trop vite pour marcher. Dans le milieu. On va la revoir après. Ben, tu poses. Donc devant vous, c'est un poulain de Sindar, né le 12 mai, sur Souffrangevine par Califet. Donc Sindar, il officiait tout près ici, dans les bois derrière nous, au haras du lion. Et Souffrangevine s'est placé en plat. C'est une jeune poulinière qui a déjà produit un second en obstacle. Un poulain qui s'est illustré second après les grands feuillards à Fontainebleau, sur les haies. Vous voyez qu'elle donne beaucoup de mal aux vétérinaires de service. Hein. Lâchez-le, on verra mieux. Ah oui, oui, oui. Oui, puis on verra mieux Jean-Claude Marché aussi. Ouais. Là, il est un peu dominé dans ses allures, le Jean-Claude, là. On va se calmer. C'est lâché. Voilà, donc un poulain de Sindar, né le 12 mai. Eh bien, c'est la souche fleurie. C'est la souche fleurie. C'est la souche de Ripérap. Regardez Ripérap. C'est clair, net et précis. Que des vainqueurs. Regardez plus là. C'était aussi l'élevage fleuri, éleveur. Elle est trottée là, trottée. C'était sous la casaque Papo. J'ai aperçu M. Papo tout à l'heure. C'est Vent Sombre. Encore un black tag dans la souche. Vent Sombre, grand slip de peau. Grand slip de peau. Et surtout, bonne victoire aussi à Auteuil. Mais un fait de gloire, la revanche du grand stiple. Il n'a pas pu la gagner, mais il a été troisième. Et de l'important aussi, prix Troyton à Auteuil, pour près de 450 000 euros de gains. Donc là encore, du black tie, tout proche, tout près, même souche. Et vous avez plus... Hop, hop, hop. Et vous avez aussi...